Pour lui, tous les jours, c'est le même rituel. Il se lève à 9h. Son premier réflexe est d'aller s'installer devant la télévision pour regarder des dessins animés pendant au moins 2 heures. Tous les matins, quand je me lève, après mon petit déjeuner, j'ai une playlist de dessins animés dont je suis fan depuis que je suis tout petit. Donc Tic et Tac, Cabron à Picsou. Du coup, ça me replonge dans ce qui était dans mon enfance. Et c'est vrai que je suis toujours amusé de revoir des personnages qui m'ont bercé ou dont je suis toujours fan, ou même que je collectionne encore en figurine. Donc ça, c'est marrant, ça, c'est amusant. Aldric a 22 ans et il refuse de quitter le monde de l'enfance. Depuis un an, il a quitté ses parents pour vivre seul ici, dans ce petit appartement transformé en véritable musée. L'une de ses obsessions est de collectionner tous les jouets possibles et imaginables, avec une préférence pour les figurines. Il en a plus de 1000 chez lui. Le monde de l'enfance, c'est un monde très coloré, très joyeux, où ça chante, où ça danse. C'est aussi un monde où on peut faire un peu ce qu'on veut, dans le sens où si j'ai envie de regarder des dessins animés le matin, ben, je regarde des dessins animés le matin. Si j'ai envie de jouer à ma console vidéo, à Pokémon, ben, j'y joue. Et qu'il n'y ait personne qui vienne nous dire quoi que ce soit. C'est pas parce que j'ai 22 ans que j'ai pas le droit de faire ça. Je veux dire, au contraire, je fais rien de mal. Pendant 3 ans, Aldric a travaillé comme téléconseiller. Il est aujourd'hui au chômage, ce qui lui pose évidemment quelques problèmes.